Et on se retrouve dans le Mais il faut éviter magnifique de se faire monde voir. de Faut éviter se faire voir. Bienvenue. Ah, nous sommes devant la carrière d'Oreos. Et il y a du monde. Il y a du monde, tous 26 et tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a aussi un mercenaire qui se balade parce qu'on est recherché ici. Je sais plus exactement pourquoi on est recherché. Je sais pas, ça doit être genre entre les meurtres, le vol, enfin voilà, tout ça. Ah, tiens, c'est bien cette touche. Masquer toutes les icônes. Icônes de gameplay. C'est quoi ça? Ah, des lieux que j'ai explorés. Ah, mais putain, il n'y a que maintenant que je comprends ça en fait. Ah, on peut complètement regarder une map en fait, sans icône. Ah, c'est intéressant ce système. Icône de gameplay. Ouais, ça c'est intéressant par contre. Et si je fais ça et que je regarde avec l'aigle. Ouais, on verra quand même les lieux en fait. On verra quand même les lieux. Si on s'y approche, évidemment. Si on s'y approche. C'est. Ouais, enfin, c'est du pareil au même. Il y a aussi cette chose-là qu'il faut faire là. C'est un point d'interrogation en or. Je sais plus. On en a fait un. Je crois que c'est pour l'histoire. Mais je sais plus exactement ce que ça fait. À la limite, on pourrait, ouais, moins jouer avec la carte en faisant ça. Et en fait, on marque les lieux comme ça à visiter. Mais bon, le jeu est pas extrêmement pensé pour ça. Ça, c'est embêtant. Donc, ouais. Mais pas extrêmement bien pensé pour ça. Je sais pas. Mais bon, c'est bien de d'avoir. Cette option-là. On a le mercenaire là, 40. Je sais pas ce qu'il fout là-bas. 29, on sait pas ce qu'il fout là-bas. Ah, il y en a partout quand même. Ah ouais, bah ça, c'est tous les endroits où on est recherché, je crois. Ah ouais, non, non, c'est tous les endroits où on est recherché. Il y a des mercenaires qui se baladent. C'est fun. C'est fun, c'est fun. Dans tous les cas. Je voulais, oui, continuer. Ça me, ouais, je sais pas quoi faire avec ce système là de pas voir les, genre masquer tous les marqueurs. Ouais, ça peut être intéressant. Enfin, je sais pas. Je me suis habitué maintenant à voir où sont les trucs. Enfin, c'est fun dans un sens de savoir où sont les mercenaires et tout ça. Donc, bof, ça m'embêterait en fait maintenant de le masquer. Comme j'ai dit, le jeu se prête pas vraiment à avoir un jeu sans information du tout, comme certains jeux font. Parce qu'on n'a pas vraiment les outils pour ça. C'est ça le problème, je trouve. Ah, enfin bref. On va faire donc ce qui est devant nous. On a mercenaire Julius, l'équilibré. Qui donne une épée bleue. Accompagné par un chien. Et il aime pas. Enfin, il est docile aux attaques à distance. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a encore un autre? Non. Ok, let's go. Ouais, on va faire ça. On va faire la carrière. Il y a beaucoup de monde. On a une flamme à pirater. Oui, j'ai dit pirater. On a un mec qu'on n'avait pas marqué. Là, on a des civils. Faudrait qu'on essaye de s'approcher de la flamme, en fait. Il n'y a qu'un seul. Non, il y a deux gardes, ok, à la porte. Ok, on peut les tuer en assassinat critique. Faut voir si. Ouais, non, lui, on va pas pouvoir le tuer, lui. Ouais. C'est la merde. Ou alors on approche par l'eau, peut-être. C'est un peu moins gardé.
Enfin, par l'eau, par le port, quoi. Ah, le ralenti est sympathique, hein, pour, vous savez, le ralenti qu'on a pris là pour le pour tirer des flèches. On peut l'utiliser comme ça aussi. C'est pas mal comme pouvoir du coup. Le mec qui m'a vu. Ça va. Mais ça va, j'ai compris qu'on avait un mercenaire. Pas besoin de me faire le son à chaque fois, quoi. Très bien. Ça va peut-être faire un peu de tâche, non? Non, ça coule. Non, ça coule, ça va. Par contre... après, lui, on pourrait se le faire. S'il est sur un quai, on peut à la limite... Non, non, non. Pas d'intrus. On peut limite le balancer par-dessus bord. C'est étrange, je devrais aller voir. Il a bien vu le cadavre et on peut... Merde. Donc ouais, ils ont bien vu le cadavre. Merde. Après, c'est un peu con de ma part, mais je pensais pas que... Voilà. Non, ça va. Le jeu est bien fait pour ça, quand même. Putain, ça fait chier avec le... Dans un sens, c'est pas mal, hein, mais... Merde, putain, lui, il a trop de vie. Oh, on a dû faire un critique. C'est un peu embêtant avec le mec qui se balade comme ça. Quoi? Merde. Attends, je suis un peu brouillé. Bon, bah, ça va. Ah, on était loin de... On a eu un petit groupe, là, en fait. Mais ils étaient loin des autres et tout. Ils ont pas trop gueulé. On les a tabassés avec un bâton. Donc, c'est bon, il part. Donc, ça s'est bien passé. Bah, tiens, on a un passage, là. C'est bien, ça nous rapproche de la... Ça nous rapproche de la... De la... Comment ça s'appelle? De la flamme. La flamme est juste là, non? Je crois.
vite avant qu'il arrive. Non, elle est pas là la flamme, elle est où? Ah, elle est en face. Ok. Plein de gameplay des fois. Hein. J'arrivais pas, il fallait que. Parce que je m'étais mis sur le. Ils m'ont vu. Enfin, je crois que les ouvriers en fait m'ont vu. Ah là là, la touche là. La touche, elle regarde. Elle fait pas. Comment dire? Elle détecte pas autour de vous. Elle détecte devant vous. Et du coup, j'étais bloqué, mais j'étais trop contre le mec en fait. Du coup, je pouvais pas me tourner. Si je me tournais, ça le touchait. Ah putain, il y a l'autre qui vient. Ah, ça serait embêtant là. Non, on va peut-être pas le faire maintenant. Ah, fait chier, ils viennent parce que les ouvriers ont paniqué. Ah, il faut qu'on aille à la flamme. Il nous faut un nouvel arc. Ça se passe bien pour le moment. Ah, c'est vraiment lui qui nous fout dans la merde, hein. C'est pas mal. Ah, je vois des drachmes. Je vais faire vite. Pas venir me chercher. Ah non, 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 non. J'ai cru qu'elle était accroupie et qu'on pouvait se mettre debout, mais en fait non. Très bien. Combattre lui. Vas-y. Je te regarde. Wow, 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 wow. L'autre, il a explosé. Ok.
Ils me font chier avec leur... Voilà, bien. Ouais, j'aime beaucoup le... What? Tu vas me rapporter une belle récompense. Oh, tu ne m'échapperas pas. Faut que j'aille l'analyser. Oh là là. Enfin, bref, on peut la tuer. Wow, ok. Ah, t'es violente, toi. Je viens de m'apercevoir qu'on peut pas mettre du coup deux debuffs. C'est bête ça. Oh, oh, oh. What? C'est... Non! On a super bien joué, tu vas me dire qu'on va devoir recommencer. Puis elle était nulle. Oh. Mieux vaut se méfier, l'endroit est bien gardé. Oh non, oh non, ça par contre, ça, ah ça, ça dégoûte, ça. Ah non, ça, ça dégoûte, là. Aïe, aïe, aïe. Il y a un... Il y a une habilité qui commence à me saouler, que je voudrais vraiment bien prendre, c'est celle-là. Perce les petits boucliers, infuse 150% de dégâts, là. C'est pour... En fait, on arrache le bouclier. Donc ça j'ai vraiment bien envie de l'apprendre. Parce que ça nous sert plus vraiment à grand chose. Enfin non, si, c'est bien aussi, mais... Ah là là, putain, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Ah, on avait super bien joué tout le long. Faut que l'autre elle fasse un coup un peu. Enfin rouge là, les coups imparables. Là. En plus elle m'a touché facilement, je trouve. Non, je trouve ça un peu saloperie quand même. Merde. D'accord. Pas du tout ça que je voulais faire. Je vais voir si elle pouvait passer de poteau à poteau là. Évidemment.
tiens cette fois. Ouais. Ça marche aussi. On peut pas monter par là. Pas d'accroche. Évidemment, là, il n'y a pas de... Très bien. Le feu, il brûle bien le... Ah, parce que... Faut être honnête, les mecs sans bouclier, en fait, on les massacre. C'est assez stratégiquement intéressant, hein, d'enlever un bouclier. Faut pas dire autrement. C'est stratégiquement bien. Donc c'est pour ça que, ouais, retirer le bouclier, ça a l'air pas mal. Du coup, on aurait une aptitude de trop, en fait, pour le mêler. Mais enfin, on peut retirer ça. Enfin, je sais pas. Alors ça, c'est vrai que c'est plus trop vraiment utile. Enfin, si, c'est bien pour la téléportation quand même. Je sais pas. Après, on peut swapper. On peut swap. On peut complètement swap. Ou alors, on la prend pas. Je sais pas. Ou alors on attend le prochain niveau à la limite. On se débrouille sans. Enfin, on s'est débrouillé sans pendant longtemps, on peut continuer, je pense. Ouais, parfait. Mais ça fait un petit moment que je me dis qu'on devait apprendre cette habilité. C'est un petit moment. Toi, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Pourquoi on augmente aussi notre... Oh mon dieu, il y en a deux. Bon, merde. Un intrus ! T'en as plus pour longtemps !
Ah, j'aime bien le bâton c'est cool, le bâton c'est classe. Je trouve que ça va vraiment bien en plus avec notre façon de jouer si on fait si on se concentre sur Archer, je le répète hein, mais c'est classe. Le coup de l'AOE comme ça, genre enflammé et tout, ça peut être vraiment c'est enfin, c'est vraiment bien. Après le poison, honnêtement, ouais, je sais pas si le poison c'est vraiment bien pour le moment. Après on a toujours notre épée qui fait dégâts. Ouais, on a dégâts de feu 12% et après elle a dégâts en plus encore, donc 15 et accumulation. Du coup ça nous donne quoi? Je vais voir le feu. Alors dégâts de feu plus 39% en tout, accumulation 115, 9 secondes de feu. Ouais, c'est pas mal. Bon bah du coup on a tué quasiment tout le monde un peu plus rapidement cette fois. Quoi que non. Ah, un truc que faudrait que je veux regarder, c'est clavier souris. Est-ce que ça serait pas une autre touche pour l'assassinat critique? Parce que si c'était une autre touche, ça serait vraiment mieux quand même. Alors, on a trois mecs là, on a les gardes de la porte aussi. Il est tout seul. Non, il y a un garde là. Car il y a des habilités qui sont pas assez puissantes pour nous. Hein. Enfin, dans le cauchemar, hein, comme je veux dire, je répète. Donc du coup on les utilise beaucoup moins, voire plus. Ah, très bien. Je vais voir clavier souris, parce que si je bouge ça... ça... directement ça ça met en clavier souris, ça c'est bien ça. Voilà. F discrète maintenir assassin. Ouais non c'est pareil, ok ça marche. Vous voyez, un truc, au lieu de faire de maintenir la touche, ils auraient dû faire deux fois. Genre si on fait deux fois Y, peut-être ça va plus vite. Enfin j'en sais rien, je sais pas. Tu vois. Ah non, ça fait directement l'attaque normale. Ah, après ça aurait mis un délai pour l'assassinat normal, je sais pas. Bon, on va se faire lui. Un nouveau copain. D'accord. La mort vient te chercher. Exandros, nouveau. De l'or.
peut-être déjà vu le film 300. Ah mais peut-être que t'es bon en bateau toi. Oh la pute. De l'or, mais de l'or. Je brûle. À l'aide. Ouais, on va l'assommer. Mal timé. J'aime pas les attaques lentes comme ça, elles sont horribles. Encore debout. Okay, faut que je le regarde avec le mec. Oh yes, il est bon. J'offre la liberté et de l'argent à tout mon équipage. Toi, y compris. Bien, bien, bien. Prisonniers qui se baladaient. Merci, merci, merci mille fois. C'est quoi ça? C'est juste. Ouais, y a des gens morts quand même. Regardez les mecs. Ouais mais ils sont passés où maintenant? Je me demande ce qui se passe. Non, alors, il nous manque quoi? Il nous manque la pierre. La tablette. La tablette. C'est quoi ça? Je sais pas pourquoi les mecs qu'on libère ils reviennent comme ça. On dirait qu'ils sont pas. Je vais être honnête, ils sont pas codés pour fuir en fait. Ils sortent, ils reviennent, ils rentrent, ils tournent en rond. C'est un peu con ça. La tablette, elle est où la tablette? Ah bah après on a des... Ouais non, là eux on a libéré des soldats donc ils sont à... Quoi? Ils sont armés du coup. Ah non mais attends, ah c'est peut-être une patrouille ça. Tu fais quoi mec? Tu peux partir. Je te le répète, ça ne sera plus très tu long. Peux partir. Bon. On va utiliser notre habilité parce que là je vois pas avec l'aigle en fait. Peut-être là-dedans. Putain, c'est où c'est que vous vivez les mecs? Vous êtes libres maintenant, on a défoncé tout le monde. Là, une tablette peut-être dans la carrière où il y a les cailloux, les roches.
On est d'accord que mon pouvoir il peut. Ah, bah c'est ça. Mais je l'avais pas. Ah si, là. Ah, je sais pas. J'ai un cœur là. Moi je cherche pas les choses pour le moment comme ça. Les énigmes et tout, on peut y passer des heures dessus, j'ai pas envie. Ouh, 10 000 carrière d'Oreas. Bah ouais, enfin elle était quand même comac hein, la carrière d'Oreas, j'avoue que. J'avoue qu'elle était quand même chaude. Ah ouais, non c'était une patrouille en fait qui est venue m'attaquer. C'est bien une patrouille. Ils ont tué les innocents. Alors. Ça. 150 mètres. 200. On va regarder ça. Ah, c'est encore un camp. Allez. Un camp spartiate. Allez. Passage de Simia. On va regarder ce qu'on a recruté là, là au navire. C'est lui. Alors, intégrité, incendiaire, j'avoue, boost de vitesse après virage serré. Ah, c'est pas mal ça. Boost de vitesse après virage serré. Ça, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse. Après on a un autre... Oh, on a pas mal de personnes en fait. Recrutées. Ah tiens ils le disent recruter. Ah, ah c'est bon ça. Il ah, y a une différence entre vaincu, enfin tué quoi plutôt. Et recruter. C'est marrant ça, sympa. Je pensais pas que... Je pensais qu'ils allaient mettre juste vaincu quoi. Basta quoi. Mais non, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Il y a une garde là. Non. Très bien. Si on voit un mec en or, on va l'assommer ou le regarder par l'aigle si on peut. Mais sinon, on essaye d'utiliser un peu moins l'aigle. C'est relou, un peu trop OP je trouve, c'est moins drôle, moins fun. Il y avait un truc, c'était dans MGS5. Mais MGS5, il n'y avait pas de difficulté de choix, en fait. Je crois bien. La difficulté augmentait par rapport à ce que vous utilisiez. Il y avait juste un mode, en fait. Et c'était vachement bien. Il y avait un mode ralenti, en fait, quand vous faisiez voir. Repérer. Un peu comme ce qu'on a. Mais nous, c'est une aptitude qu'on a débloquée. Donc nous, à la limite, on le mérite. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on a ça, maintenant. Ah, ça nous permet de tirer, mais ça nous permet honnêtement de même de bouger en fait, donc c'est bien. Si vous ne jouiez pas avec le ralenti en fait, quand vous faites voir, là, je crois bien que votre score était plus grand, vous récupériez plus de points et tout. Donc ça c'était cool. L'enfermer ici, à l'aide. Oh yes, vas-y, fais voir un peu. Cool. Ouais, ça c'est Shayna. Donc j'ai discuté avec Shayna. Donc il y a bien des assassinations comme ça. Merci, je m'en souviendrai, Miss Klaus. Ah, de rien. Des assassinations genre sur les
les remparts, les choses comme ça. Mais ouais, c'est un peu plus... On va dire que c'est un peu plus compliqué à faire parce que... Notre Mystios se fait voir en fait assez facilement, donc faut vraiment que le mec soit retourné ou tout ça. Un autre jour s'achève. Parce que quand elle est, quand vous voyez, quand elle est au bord, genre, maintenant il me faudra un rebord. Là, elle est cachée par exemple, mais en fait elle se cache pas vraiment. Elle est très en boule et du coup on voit sa tête facilement. Genre si on était... non, elle s'accroche là. Tu m'embêtes. Je veux montrer un truc là. Je veux montrer un truc, Cassandra. Il faudrait que tu t'accroches. Mais au rebord. Ok, là. Genre là, ça passe. Je pense pas qu'ils vont nous voir. Par contre, s'il y a un mur, si elle est contre un mur, en fait, elle va être en boule et du coup, elle va faire une grosse masse que les gens vont voir. Donc c'est ça, c'est un peu délicat, on va dire. Mais ouais, ça existe, c'est bien. Attends. On peut genre attaquer les gens sur. Chaimonas. On peut attaquer les gens sur les rebords. Chaimonas, pardon. Le vieux membre du groupe de mercenaires, Chaimonas était toujours à la pointe des combats. Le dernier a quitté la bataille. Son groupe appelé le Guet Sacré fut tout d'abord une noble compagnie de défenseurs. Mais l'appât du gain mena ses membres à accepter les primes faciles. N'importe où. L'emploi des attaques incendiaires. Non, c'est pas intéressant. Donc nous, on voudrait faire ça d'abord. Bloquer le voyage rapide qu'on va pas utiliser. J'entends un bruit. Oh la vache! Ah mais non, mais c'est des élans, ça va. J'ai cru que c'était des ours. Je me suis dit, putain, il y en a 4-5 comme ça qui vivent ensemble. C'est bizarre. Merde, c'est mou ça? Ouais, c'est mou. Sur le coup, ça faisait comme si c'était de la pierre. J'ai ah! Va peut-être mal finir mon histoire là. Alors. On a plusieurs. Ouais, on a un lac là, on va aller voir ce qu'il y a. Quelle noble créature. Ah oh ! Cette chasse fera envie aux dieux eux-mêmes. C'est la biche. Ok. Ok, ça marche, on peut faire ça. On a des mercenaires aux alentours. On peut aller les chercher. Si jamais ça se passe mal, on peut aller chercher les mercenaires et combattre la biche avec. Et je vais pas me gêner pour faire ça. C'était super fun. Le truc complètement aléatoire. Il y a ça qui se passe, c'était cool. Biche de Sérini. Ah, je sens qu'on va passer un bon moment. Alors j'imagine qu'elle est pareille, elle régène et tout. Plus sûr que les autres, elles ont de la vie, non? Ah non, ça va. Okay. Okay,
C'est juste pour récupérer de l'adrénaline. Oh la vache. Wow, ok, d'accord, tu me fais la moitié de ma vie. Je peux faire mon attaque spéciale sur une biche ou pas? Non. Ça fait juste les dégâts en fait. Elle me pousse, mais elle fait pas de dégâts quand elle fait ça. Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts, ça. Ah bah, oh, encore. Ah, ouais. Elle aussi elle a des hitbox de merde hein. Je crois que tous les trucs légendaires ils ont des hitbox de merde hein. C'est à dire que honnêtement ils vous frôlent, ça vous touche hein. Est-ce qu'il y a d'autres biches qui vont m'attaquer ou pas? Ah putain, je changeais de flèche, la merde. Ouais, elle me plante au sol en fait. Merde, là on est pas bon. Hein. Je crois que les flèches explosives de près, ça me fait des dégâts. Oh la vache, non.
pas le feu. Ok, bien. Quoi? Ah, ça c'est bullshit, putain. Quand elle se relève, elle fait des dégâts, quoi. Ça va. Ça va, ça va. Ah, il faudrait retourner parce que ça, ça va rester sur l'écran tout le temps. C'est relou. Là, on a quoi? On a un fort encore. Bon, ça va, très bien. C'est bien passé. Il y a une quête à récupérer là-bas. First try. Ça m'a l'air pas mal ici. Ça m'a l'air pas mal. On va sauvegarder. Et non, je peux pas. Attends, j'ai marqué l'endroit, putain de merde. Vache, on voit rien quoi. Très bien. On est presque niveau 26. Je sais pas trop quoi. Comme j'ai dit, on va peut-être prendre l'habilité pour enlever les boucliers. Ça m'intéresse vraiment quand même. On a une lance. Dégâts à la lance, dégâts des soldats athéniens. Dégâts de chasse. Faudrait qu'on teste ce que ça fait l'attaque spéciale à la lance. Dégâts de feu. Ah ouais, non, mais il y a même le bâton en fait qui fait des dégâts de feu. Ah, c'est pour ça qu'on fait aussi mal. Alors, assassinat, drainage par assassinat. Dégâts de poison, dégâts de chasse. On perd quand même beaucoup en assassinat, ça c'est chiant. Pas vraiment de trucs super top. On avance. Y'a un mec. Campement de Krios. Mec en dessous aussi. Est-ce qu'ils ont un feu? Non, ils ont pas de feu, c'est un petit camp. On peut le marquer ou pas? Monsieur, il est nul.
Et ouais, je suis pas resté appuyé. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ma prime, il fallait l'augmenter. Le mec il fait une charge pour après s'arrêter. C'est sympa quoi. Oh bien joué. Un truc qui est pas mal, c'est que même si on... La pute. Même si on cible une personne, on peut quand même pas mal. On peut taper autre part en fait. Ça j'apprécie ça par contre. De pas être complètement locké tout le temps sur la même personne et tout. Ça c'est bien ça. Enfin, de même si on est loqué, on peut quand même taper un peu à droite à gauche. Donc ça, ça aide vraiment. Bon bah très bien. On va sortir. Attends, on n'a pas pris notre niveau ? La vache. Je suis surpris. Ouais, on n'a pas pris notre niveau. Ouais, non, faudrait que je teste la lance. On testera ça plus tard. Je crois pas qu'on ait... Ouais, on n'a rien eu de bien. Alors, regardons un peu la carte. Est-ce qu'on continue? Ouais, on peut continuer cette zone-là, en fait. Par contre, il y a un truc. Ouais, il y a ça. Il y a le centaure 2B. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et après, on a un autre. Et lui, il m'intéresse encore plus. C'est lui. Skylax le juste. Mais c'est celui-là qui s'occupe. Ah, quoique maintenant, on a vraiment renversé le pays. Donc, à la limite, je pense qu'il devrait être dans la merde. Il y avait écrit un truc sur lui. Alors, le dirigeant rejoint le marché afin de stimuler l'économie. Les gardes du corps du dirigeant vont l'abandonner. Donc, je pense que ça peut être pas mal. On peut finir ça, ces trois endroits, et après continuer sur le piémont de Dirfi. Je crois que c'est une bonne idée, une bonne solution. Est-ce que tu as besoin d'aide ? Des pirates rendent les eaux dangereuses pour les voyageurs par ici. Tu veux que je détruise tous les navires pirates? Exactement, Mystios. Il faut dégager l'horizon. Ouais, on verra si on a le temps. Je t'en prie, fais vite. On en a fini. Alors là... C'est quoi, c'est une grotte? Grotte nord. Les gens dedans. Wow, tu vas te calmer?
Les mecs, ils se demandent quand même pourquoi il y a de la lumière, ça. Ils sont pas complètement teubés. Je vais tester un truc. Elle est quand même pas mal cette habilité hein, quand on peut la jouer. Caillou partout, du fer, des minerais. Attends. On vient de là, donc du coup. Ah, peut-être en non. Ah, là-haut. Mistios, monte. Voilà. Très bien. Yes. 27. Quoi ça? Je sais pas ce que c'est. En tout cas, on va aller là. Ça a l'air marrant. Les mecs, reviens. Regarde, on t'a ramené des copains. Putain, il y en a un autre là-bas. S'il se fait tuer par des ours, c'est notre faute ou pas? Non. Ah putain, d'ours de merde. Est-ce qu'on prend de... Est-ce qu'on est recherché? Non, quand on attaque, on n'est pas recherché. Il faut absolument, je pense, tuer, genre meurtre, en fait. C'est meurtre, vol, envoyer les navires par le fond. Je crois, c'est tout. Hein. Eh, il va y arriver, hein. Bien joué. Voilà. Voilà. Allez.
pas. Est-ce qu'on est recherché? Non. Ouais, non, non, il nous attaque pas. Est-ce qu'on peut lui sauter dessus et lui faire un assassinat? Non, on peut pas? T'es sérieux? On peut quoi? Sauter sur les... Ouais. Ouais, non, ça sert à rien en fait. Merde. Ok. Ah oui, on teste l'habilité, on la prend. Parce qu'après, il y a ça qu'on peut augmenter. Position accroupie, réduction à distance, blablabla. Moi, j'ai envie de tester ça quand même. Perce tous les boucliers, étourdit la cible et inflige 100% de dégâts. Ouais. Alors, on va la mettre. Là. Oh yes, terrible. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi, il est méchant. Voilà, très bien. Oh putain de merde. Je ne m'attendais pas à gagner aussi facilement. Voilà. Ah ouais, non, c'est quand même mieux. Hein. C'est quand même vachement mieux. Allez, abandonne ! On se casse. Bonjour. Poussez-vous là. Non, c'est vachement bien. Le bon, comme j'ai. Par contre, c'est con qu'on peut pas sauter sur les gens quand on se met comme ça. Ah, ça c'est débile. Au moins que. Allez, on y va. Faut faire une touche spéciale, mais non. Et ça sert à quoi? Juste à sauter du cheval, genre sur un mur ou juste par terre, tout simplement? Je sais pas, je trouve ça un peu con. Opportunité gâchée. La garde sera vigilante. Oui, surtout, surtout dans l'au-delà, ouais. Bon bah on valide encore le cette attaque là, très bien, de retirer le bouclier, c'est super utile. Bon, on va descendre directement. Ouais, c'est super utile. Et après ça fait quoi? Donc déjà dès le niveau 2 on peut percer tous les boucliers quoi, ça c'est un peu abusé je trouve. J'aurais pensé niveau 3 quoi. Du coup, on a plus ça. Enfin, il faut le mettre, quoi, à chaque fois. Ouais. À la limite, peut-être que... Genre ça, le coup de pied spartiate, on l'utilise un peu moins. À la limite, ouais.
Parce que je suis pas vraiment fan, en fait, de... De devoir changer d'habilité. J'aime bien avoir un set et puis que ça marche. Mais bon, là... Limitation manette, hein, encore une fois. Et le truc, le pire, je suis sûr que... Je suis sûr que... Comment on va dans le menu clavier souris? Non, c'est pas ça. Tab. Je suis sûr que clavier souris, c'est la même chose. On est limité à 3. Retirer... Ouais, non, on est... Enfin, à 4, pardon. Ouais, on est limité à 4. Il y a 4 emplacements. Alors que, bon, j'ai de 1 à 9, par exemple. Hein, pour les habilités. Donc, ouais. Non, c'est triste. C'est très triste. Qu'est-ce que c'est que ça? Tombeau d'Artémision. Un tombeau. Comment on y rentre? Ah, ok. Ah d'accord. Bon, ça va plus vite comme ça. J'avoue. J'avoue que ça va plus vite. Ouh, il est joli celui-là. Ça a dû mieux coder. Hein. Ah putain, il y a une araignée qui pend. Ah, c'est horrible quoi. Dégueulasse. On va pas marcher sur ça. Ah la pute quoi. Tu fais méga mal en plus. Vent. Pas mal, pas mal. J'avais pas fait attention. Il y a du vent en fait. On peut entendre du vent parce que la paroi elle est brisée. Ça, c'est bien parce que ça fait vraiment à la Indiana Jones par contre. Ah la pute quoi. C'est marrant parce qu'il nous empoisonne pas. J'aurais pensé que poison quoi, mais non. Dis-moi, c'est super grand. Oh non. Plein de toiles d'araignée. Empêchez de brûler. What the fuck? Enfin, je sais pas si ça se casse, mais... D'accord. Ah
partout des... Les serpents. Et ben, tout ça pour ça. Donc bah j'imagine qu'on descend. J'aime beaucoup les explorations de tombeaux, là, ils sont marrants. Ils sont bien faits. Putain, je suis en train de brûler. Oh là. Ah non, j'étais pas en train de brûler. Oh, j'ai cru que c'était plein de serpents, c'est des cordes. Je crois que c'est fait exprès. Ah. Fun. Mais merci, je sais quelle touche pour plonger, putain de jeu. Arrête de me gâcher mon expérience comme ça. J'ai entendu le vent. Même si ça n'a pas trop de sens, hein, parce que là c'est complètement submergé. Donc je vois pas pourquoi. Pourquoi ça ferait du vent. Mais bon, hein. C'est des assets, hein, on les copie, on les colle, on les change pas. Putain, Ubisoft quoi. Ah, Ubisoft, hein, ils peuvent faire des super jeux. Enfin, Odyssey est un très bon jeu. Mais on n'est pas dans l'excellence, hein, à chaque fois. On a toujours un cran qui manque pour que ça devienne de l'excellence. Le détail, le souci du détail, ils n'y arrivent pas. Méga grand. Fortune et gloire, Dr. Jones. Camp de mercenaires. Ben voilà. Pourquoi? Non. Non. Pourquoi? Aïe 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 aïe. Du coup la sortie a été où? Faut monter.
Parfait. Il y en a des animaux, hein. Partout, dans les forêts, dans la mer et tout, on peut... Il y a toujours un truc, quoi. C'était comme ça à l'époque, avant qu'on massacre tout. C'était beau. Alors... Assassin guerrier, c'est le même, juste un niveau de plus, c'est très bien. C'est très très bien. Je suis en train de me demander, est-ce que ça c'est pas mieux? Ah mais non, mais on a assassin dessus. Alors, on va perdre assassin. C'est cool. Alors, pour les armes. Pour les armes, petite surpuissance, dégâts de poison. %12 sur les soldats d'Athènes, putain. C'est beaucoup. Donc du coup on a ça du coup, maintenant. Qu'est-ce qu'on peut... On peut rien augmenter. Hein. Le seul truc qu'on pourrait augmenter, ça serait ça. Après, il y a des choses qu'on pourrait récupérer, ça aussi. Ombre de Nyx. Mais j'ai peur que Ombre de Nyx, ça, ça nous bouffe de l'adrénaline automatiquement, en fait. En absence de conflit, offre une quasi-invisibilité. Tout déplacement entraîne une exposition. Consommation rapide d'adrénaline au fil du temps. Moi, bof. Je dirais ça. Parce que de toute façon, après, le feu, on peut pas l'augmenter plus que ça. Après, on peut augmenter l'accumulation, mais honnêtement, c'est pas vraiment ce qui aide. Bon, on a toujours les flèches spéciales et tout, mais bon, ça m'intéresse pas vraiment. À moins qu'on utilise la flèche fantôme au lieu de la... Ouais, non, mais j'en avais parlé de ça, du tir dévastateur. 290, 260. Je sais pas. Je crois qu'on va faire ça. Et après, le troisième, c'est quoi? La distance de détection par ennemi est minimale en position accroupie. De nuit, augmentation des dégâts d'assassinat et en dehors du combat. Ah! Augmentation des dégâts d'assassinat et en dehors du combat. De combat. Ah! Là, c'est bien, ça. Ah, prochain skill, on prend ça. Alors, si nous, ça nous permet d'assassiner... genre sans utiliser l'assassinat critique, ce serait cool. Et du coup... justification d'attaquer la nuit. Ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. C'est très 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 bien. Alors, on a fini avec notre histoire. Donc on a là... Collecter les impôts s'en vient. Le collecteur d'impôts s'en vient. Je pense qu'on va aller voir Skylax le juste. Je crois. Je pense qu'on va faire ça. Ouais, on y va. On va voir Skylax le juste. On y va. Allez. Je sens que ça va être relou pour y aller. Enfin, ouais, on pourrait se déplacer. Il y a un TP un tout petit peu plus proche, mais honnêtement, on n'a pas besoin vraiment. Ça va vite. Et j'en ai parlé aussi avec, avec Shayna. C'est peut-être pas des vrais mètres. C'est genre 800 mètres. Genre, il y a écrit 8, genre par exemple, il y a écrit 600 mètres. Mais c'est peut-être 300 mètres en vrai. Parce que c'est vrai qu'on va quand même très très vite. Hein. Bonjour, merci. Ah tiens, c'est où c'est qu'on a vu quelqu'un se faire tuer par un ours, par deux ours. Ah, tu t'es... Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as pas aimé?
pute. T'as pas aimé que je récupère les drops en fait. Bizarre ça. Il a pas aimé que je récupère ça quand je passe. Ou alors c'est... Enfin, je sais pas. Non, non, c'est ça. Pardon. T'as qu'à pas dormir sur la... Ferme de Chalkis. Détruire le silo. Allez. C'est ça le silo. Allez. Hey. Il s'affiche pas si je le... Je te pète trop loin. Ouais, c'est bien ça. Ah putain de jeu quoi. Dis-moi... Genre si je me mets à côté, dis-moi que c'est le silo quoi. Alors comment je détruis un silo moi? C'est ça, je l'ai encore jamais fait. Les chevaux, faut partir. L'âne aussi, casse-toi. Allez, allez. Alors vas-y, testons. Non. Ah si, oh la vache. Est-ce que ça nous fout dans la merde de faire ça? Ah bah tiens. Destruction de ravitaillement. Ils ont pas apprécié. Qu'est-ce qu'il y a? La poule qui m'attaque? What the fuck? Œuf de poule. Bah oui, mais bon, tes poules elles m'attaquent. Oh! Gros, hein? Pas ma faute, hein? Mistios, ici! Ne m'oblige pas à crier! Tu cries déjà. Oh, les dieux soient loués, tu m'as entendu. Ça a l'air grave. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai soif. D'habitude, c'est mon mari qui me sert, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Alors, si tu veux bien aller jusque-là pour m'attraper le vin... Je suis Mistios. Je ne sers pas le vin. Ton mari a disparu? Oh, oui, j'imagine que oui. Les marées, on ne sait jamais où ils sont. Tu es ivre. Tu dois boire comme un trou pour ne pas avoir remarqué l'absence de ton mari. Oui, entre nous, après quelques coupes, on ne remarque plus grand-chose. Ton mari doit avoir des ennemis. Tu vois qui pourrait vouloir le faire disparaître? La dague. Dès qu'on a de l'argent, on devient son ennemi. Un capitaine et ses amis de la dague viennent ici quand l'envie leur en prend, en inventant des impôts et en battant mon mari s'il ne les paie pas. Tu veux le retrouver? Ça t'intéresse de retrouver mon mari? Ouais, ouais. Ne t'en fais pas, je vais le retrouver. Ça a l'air marrant. Merci. Est-ce que tu as besoin de savoir autre chose? Ah merde, y a pas. Alors, où pourrait être mec? Qu'est-ce que la dague? On s'en fout. Où pourrait être ton... À ton avis, où est-ce que je devrais chercher ton mari? Il essaie de trouver des moyens de contourner les hommes de la dague sur la route à l'est d'ici. Lorsque ces chariots y passent, les soldats en patrouille prélèvent une part. Ils osent appeler ça un impôt. Pour éviter de payer, mon mari attend généralement sur la route au sud de la grotte. Au sud de la grotte, d'accord. J'en ai assez appris. Je vais partir à l'est et chercher ton mari. Merci, Mistios. À l'est, au sud de la grotte. Là, on a des silos, là. 1,
On a notre copain. Il y a un chariot. Il doit être là. Le chariot du mari. On dirait qu'il a tenté d'échapper à une patrouille en armes. Ça s'est mal terminé. D'accord, c'était pas du tout ce que... Il est là, esclave habitant. Ça marche. Ça suffit ou pas? Ah oui, ça suffit. Bon, on va voir le mari. En prenant la route vers l'est, je devrais pouvoir suivre les traces du mari. Ouais, on l'a trouvé avec l'aigle. Bon, le fait de détruire les silos, par contre, ça nous... On est recherché maintenant. Ça monte vite ou pas? On peut voir un peu la recherche. Eh. Ah ouais, non, ça va. Oui, non. Ils aiment pas du tout. Ils aiment pas du tout. On va se faire emmerder par les... Par les mercenaires. Donc c'est toi ou toi t'es juste un mec? Qu'est-ce qui s'est passé? Des gardes. Des malakès de gardes corrompus. Ils ont réclamé l'impôt, comme chaque fois. Ils ont emmené mon maître au fort de Distos. Il aurait dû payer leur saleté d'impôt. Il aurait dû... C'est parti. J'aurais mieux d'aller au fort. Allez, go le fort. C'est sympa comme petite aventure. Excusez-moi, je vais aller dans le menu encore une fois parce que je vais tester un truc. Peu importe de savoir ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut faire, on écoute l'histoire. Par contre, il a l'air monstrueusement grand ton fort là. Qu'est-ce qu'on a là? On est à 100 mètres. Enfin, quoique... Non, on va aller au fort. Non, on va se concentrer sur le fort. On devrait faire le fort pour la dernière chose de cet épisode. Il faudrait un peu plus d'adrénaline. Ce serait sympa. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On l'infiltre de...
est grand. Le mari pourrait être n'importe où. Il est grand, c'est vrai. Ah, on peut faire le combat aussi de Sparte et d'Athènes. Le fermier, certainement. Il est enfermé. Ok. Ils ont une alerte ou pas? Ils ont pas de feu. C'est con pour eux. On va regarder s'il n'y a pas des mecs légendaires à prendre. Yes. Ok. Toi, on te veut pour notre bateau. Ok, on a tout. Ah si, si, il y a une flamme. Ok, j'ai vu. Ça marche. Qu'est-ce qu'on fait? On attend de nuit? Peut-être attendre de nuit. Après, on n'a pas encore l'habilité hein, qui augmentera. Honnêtement, on devrait peut-être reset notre build. Juste pour avoir l'aptitude, là. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever, du coup? Genre ça, là. Position accroupie de nuit. Augmentation des dégâts d'assassinat et en dehors du combat. Ça, c'est pas mal, ça, en fait. On pourrait enlever le coup de pied, j'ai envie de dire. On peut enlever le coup de pied de Spartiate pour le moment. Et voir si on peut pas même jouer sans. 905, let's go. Ça. Faire dévastateur. Hein, le fait de maintenir la touche, c'est extrêmement chiant. Ça rend le truc très long à faire, c'est relou. Ça, on va le mettre là. Assassinat critique, oui. Ça. Ouais, très bien. On a ça. Le soin. Guerrier. Si au moins je pouvais rester appuyé pour valider les trois niveaux, mais non, il faut re-appuyer à chaque fois. Aïe 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 aïe. Ça. Bien. Et après, on voulait. Attends, je suis en train de. Couper là, non ? Qu'est-ce qu'on avait ? On avait mis le feu. Qu'est-ce qu'on fait? On reste avec le feu ou... Non, le feu fait des bons dégâts, honnêtement, comparé au poison. L'action des dégâts de feu, les ennemis sont intoxiqués lorsque leur jauge de poison est remplie. L'intoxication inflige des dégâts prolongés et réduit les dégâts que cause l'ennemi à son armure. Mais honnêtement, c'est pas... Et son armure, pardon. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé ça sympa. Lorsque leur jauge de feu est remplie, les cibles prennent feu, ce qui inflige des dégâts prolongés. Ouais, c'est plus puissant, le feu, je trouve, moi. Voilà. Donc là, maintenant, on devrait, de nuit, augmentation des dégâts d'assassinat et hors du combat. Voilà. Ça serait bien qu'on ait des buffs qui s'affichent. Bon. Pas trop rêver non plus. Fort de Distos. Attends, il y a une ouverture là. Je dois rester hors de vue. Ah, on peut s'infiltrer directement à l'intérieur. Que maintenant, si on peut assassiner en un coup...
Genre sans avoir à faire l'assassinat discret là. Non, qu'est-ce que je raconte? Le critique, ça peut être vachement intéressant. Genre on peut utiliser l'assassinat de loin là de Leonidas, ça serait cool. Faudrait s'occuper de la flamme assez vite. La flamme, elle est de ce côté. Quel con, mais quel gros con, quoi. Quel gros con je fais, quoi. Mais merde, je l'ai allumé moi-même, j'en étais sûr. Dans un sens, je voulais voir si c'était possible. La réponse est oui. On est venu te sauver, mec. Je suis sûr que tu nous as vu venir. Je suis sûr qu'il nous a remarqué, non? Bien, on a vraiment vachement utilisé, je trouve, la nouvelle habilité qu'on a récupérée. Vraiment bien. Le fait de faire plus de dégâts d'assassinat là pendant la nuit, je trouve qu'on a vraiment bien joué. Je suis très heureux de ça. Attends, me dis pas que j'ai tué le mec que je voulais récupérer. Je crois que j'ai tué le mec que je voulais récupérer en plus. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de me faire tomber? Avec un tir à travers le mur? Ok, cool. De toute façon, honnêtement, vu que j'ai fait vraiment de la merde et que... Je crois qu'on a tué le mec qu'on voulait récupérer. Pas si mal. Ah là là. Ah, comment c'était immonde. Comment c'était immonde ce... Je vais devoir faire très attention par ici.
Alors. Le marqueur a sauté en fait, vu qu'on a dormi. Ouais, ouais, c'était lui, hein. Ouais, c'était lui, hein. On l'a tué. Bon, on va faire une autre approche. Alors, moi j'aime bien là, les approches par les tours, je trouve vraiment bien ça. Ah, on peut regarder comme ça. Ah, c'est intéressant. Passer par. Intéressant. J'ai l'impression qu'on peut les tuer facilement maintenant. Ouais. Oh non, vite, faut éteindre. Tais-toi. Mais putain, mais lâche-moi ça. Putain, tu fais n'importe quoi. Hein. Donc je me demande si on peut pas les assassiner de loin aussi. Du coup, on ferait plus de dégâts. Donc du coup, est-ce que ça marcherait pas? On aille vers la torche. Très bien. Ce qui est embêtant, c'est qu'avec cette attaque, quand je cible une personne, je vois pas les dégâts que je vais faire. Mais bon, vu qu'on les tue tous, je présume qu'on peut les facilement les tuer. Ah, lui, c'est quoi? C'est une brute? Il a plus d'HP, normalement, non? Ouais, non, il faut quand même... discret. C'est bien parce que je crois qu'il y a les dégâts de chute et les dégâts de l'assassinat. Va falloir qu'il survive encore un peu. Il y a un truc qui est pas mal, je trouve. Ils ont bien pensé à ça, par contre. C'est le coup des escaliers. Parce que l'animation en escalier, elle peut pas se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, elle va sauter, en fait, sur l'ennemi. C'est comme si elle était en hauteur. Du coup, elle va le sauter. Bah, elle est en hauteur, techniquement, mais... Mais voilà, quoi. Je trouve ça sympa. Oh, mon Dieu. J'espère qu'ils vont pas le tuer. Mais ils avaient pas l'air de le tuer, ils veulent le questionner, donc on devrait être bon.
lui. Bien. Bah, je vais être honnête, je vois pas vraiment la différence, à moins que les mecs on puisse pas les one shot, les normaux, mais ouais, du coup on voit pas trop en fait. Genre de faire les dégâts dans la nuit là. Fait quasiment tous les mecs de qui font la ronde. Nickel. On s'occupe de notre copain. Alors on va peut-être aller sauver l'autre. Peut-être garder lui pour la fin. On va peut-être éliminer le plus possible. Mais putain, merci. Quoique maintenant il a l'air d'être... Ah non, il y a lui en haut. À faire le mec en haut. Ah merde, il va prendre l'échelle, secours. Pourquoi tu dis is tout le temps? Qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un vient de m'aider! Mais non. Is! J'espère que t'es meilleur marin que... J'ai un navire. Ah. Rejoins mon équipage et découvre la liberté. Attends, faut que tu sois meilleur marin que... soldat, parce que t'es un peu teubé quand même. Alors, accumulation incendiaire flèche, dégâts infligés par les lieutenants, ça c'est bien ça. 15% de consommation d'énergie des rameurs après navire ennemi brisé. Ah ça c'est pratique ça aussi. T'es
dégâts d'épronage, résistance. Javelot incendier, reconstitution, intégrité. Ouais, lui, il a intégrité, ça me ferait chier de le changer. Mais on va prendre lui. Je sais pas trop si c'est une bonne idée. Je pense que c'est une mauvaise idée. Mais... Je sais pas, je le trouve cool en fait. Puis les lieutenants ils feront plus de dégâts et tout, c'est marrant. Ah, ma lame elle brille. Je sais pas pourquoi. Je ne devrais pas être ici. Je ne suis pas un esclave. Tu as ma... Je ne sais pas qui tu es, mais tu as ma gratitude. Quoi qu'il arrive, ne t'arrête pas. Je ne te laisserai pas mourir. Merci. Merci. Les dieux n'oublieront pas. J'ai encore des choses à faire, moi. Non. Bon, on est venu pour... Gros, arrête-toi. Oh là là. Bon, c'est bon, il devrait être... tranquille. Je veux pas qu'on discute. Ah mais le relou quoi. Mais faut faire attention, on sait jamais, il peut se faire attaquer sur le chemin. Et ben putain, le mec il trace. Hein. Ne te montre pas, il va falloir rejoindre la route. Eh ben putain. Ça t'étonne? C'est que... Tu ressembles plus à une tueuse qu'à une héroïne. Ta femme m'a engagée pour te chercher. Elle s'inquiétait. À mon sujet? Eh bien, elle avait bu du vin. Tu l'as rencontrée alors. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Elle a l'air gentille, ta femme. Elle a ses qualités et ses défauts. Du genre coûteux. La dague réclame toujours plus. Je ne sais pas ce que ma femme deviendra si je suis ruiné. Je sais qu'elle m'aime, mais je préférerais éviter d'avoir à découvrir à quel point elle m'aime. Ceci dit, tu mérites une récompense. Ça, c'est bien dit, ça. Je garde un pécule pour les cas d'urgence dans une grotte située derrière une cascade près d'ici. Pile au nord de l'endroit où mon chariot s'est brisé. Prends ce que tu estimes avoir mérité, mais laisse-en assez pour ma femme et moi. Je devrais aller chercher mes drachmes dans la cage du mari, dans la grotte de Cataractes. Ça marche. On va revenir au fort, vite fait. On va finir ce qu'on doit faire au fort et après on va s'arrêter là. Moi, je pensais qu'on allait se taper sa femme. Hein. Honnêtement, je vais être honnête. Hein. Moi, j'attendais ça comme récompense. Rien d'autre. Bon, bah, ça s'est bien passé. Bon, encore une fois, on n'a pas vraiment d'indice hein, sur la puissance de tuer la nuit. Avec l'habilité, ça serait bien. En fait, faudrait réafficher les dégâts et il faudrait faire des tests. Genre, on tue quelqu'un, on regarde les dégâts, puis après on prend l'habilité et on regarde si ça vaut le coup. Très, très vigilant. En gros, il faudrait faire ça à chaque fois. C'est con, hein. Je vois pas pourquoi c'est trop difficile de mettre genre augmente de
50% les dégâts d'assassinat quand vous êtes pendant la nuit, par exemple. Ici. On est revenu pour toi, mec. Hey, tu peux me faire sortir ? Bien sûr. Je te serai éternellement reconnaissant. De rien. On est par là-bas. Oh, en plus c'est un coffre public ça. Ouais, trésor public. Ouh, pas mal. D'accord, pas du tout comme ça. Pas mal l'expérience. Donc... faudrait aller chercher notre récompense. Faudrait qu'on combatte pour Athènes après. Qu'on aille se faire lui. Il y a une autre, ouais, aussi, un autre membre de Cosmos. On pourrait peut-être aller se le faire aussi, hein, on n'est pas loin. On est sur le même continent, donc autant continuer, quoi. Après, il faudra donc combattre pour Athènes, comme ça on renverse le gouvernement. Et il faudra d'abord tuer lui avant de renverser le gouvernement. Parce que je sais pas, du coup, si... Est-ce qu'il va changer de camp? Parce que c'est un Spartiate, je pense. Enfin, il est aux commandes de Sparte, donc voilà. Ou alors il va perdre son rang et ça va être juste un mec normal, quoi. Bon, bah c'est une simple grotte. C'est une simple grotte. Tu t'approches un peu trop près de nous, toi. On est recherché, on n'est pas recherché. Ça qui est bizarre. Ça qui est un peu étrange. Bon, en tout cas, nous on doit faire ça. On fera ça la prochaine fois. On fera ce point-là. Même peut-être ces deux points à la limite. Le centaure, il est juste là. Intéressant. Ah, Skylax, il a bougé là. Enfin non, Skylax a toujours été là. Mais le centaure est là. Je pensais qu'elle... Ah non, elle a bougé du coup. Centaure. Ouh, 3 secondes durée incendiaire et tout, c'est pas mal ça. Plus 100% taux de brûlure, intéressant comme équipement. Allez, on va s'arrêter là. Ah, faut que je sorte. Je peux pas sauvegarder. Et on va faire des lieux et notre mission. Et tuer le centaure aussi. Ça va, ça s'est bien passé pendant cet épisode. On a découvert quelques trucs. On a juste le fort là, la première fois on l'a complètement merdé. Mais au moins on a des nouvelles personnes pour le bateau et tout. C'est bien passé pour ça. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.